Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Ouh. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Ouh. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au Gadget, qui marche ou marche pas. Rien ne vaut un petit tour en ville pour se changer les idées. Oh. Go, go, gadget au cou. Désolé, les amis, je n'ai pas le temps de vous donner des autographes. Oncle Gadget, tu as un appel sur ton gadgetophone. Est-ce que c'est vous, chef? Vous êtes où? J'arrive tout de suite. Go, go, gadgetocoptère! Attends-moi dans la gadgetomobile, Sophie. Tu y seras en sécurité. Hop. Go, go, gadgetojambes! Je vous rappelle que j'ai deux jambes. Tu ferais bien de ne pas quitter Oncle Gadget, Finn. Pas le temps d'attendre, le devoir m'appelle. Coro Gadget au moto. Monte Gadget. Très heureux de vous avoir connu, madame, mais je dois vous quitter. C'est moi, Gadget. Bravo pour le déguisement, chef. Je n'en dirai pas autant de cette ridicule statue de bouc près de l'entrée. Voici vos instructions, Gadget. Le plus gros rubis d'Inde, volé par Dr. Gang, stop, projette de l'utiliser d'un super laser pour détruire cette élite de communication, stop. Ce message s'autodétruira. Vous avez des questions, Gadget? Une seulement. Qui est votre manucure, chef? Prenez cette affaire en main tout de suite. Dès que je serai sorti des vôtres, chef. Cette statue ridicule a crevé mon gadgetomanteau. Il faut que je parte pour l'Inde, Sophie. Finou et toi, allez m'aider à faire mes bagages. Tu garderas la maison, Sophie. Ce voyage en aide est bien trop dangereux pour toi. Mais pas pour l'inspecteur Gadget. Finou, nous devons aller avec Oncle Gadget en Inde. Eh bien, voici l'Inde, pays de l'intrigue et du mystère. Bienvenue, Gadget. Profite bien de ton petit séjour. Nous allons préparer une petite réception à ce cher inspecteur. C'est le moment de placer cette petite merveille dans le super laser. Sapristi, le voyage a été bien long. Mais où est Oncle Gadget? Dégagez la route! Je suis là en mission officielle. S'il vous plaît, Saïd, pourriez-vous nous aider à écarter cette vache de la route? Oh non! Une vache sacrée! Si jamais il la touche, il faut l'en empêcher. Allez, va-t'en, pète ta corne! Puisqu'elle ne veut pas bouger, je n'ai plus qu'à la pousser. Il a osé porter ses mains impures sur ma vache sacrée! Saisissez cette infidèle! C'est aimable de vouloir m'aider, mais elle n'avancera jamais si vous restez au milieu du chemin.
toucher une vache sacrée. Je vous en prie, pas la peine de me remercier, ça fait partie de la routine. Juste au cas où le docteur Gang ou un agent MAD aura réussi à me suivre. Coco Gadget aux jambes. Non, non, Gadget. Il vient de... Chef, je vous reconnaîtrai n'importe où sous votre déguisement de Siva. Montrez-vous, chef. Cette fois-ci, ça pourrait bien être une véritable statue de la déesse Siva. Inspecteur Gadget, à votre service. Non, d'un Gadget. Garde! Garde! Qu'est-ce que vous voulez, prisonnier? Eh bien, pour commencer, j'exige un gobelet neuf. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. En tant que représentant de la loi, j'ai le droit de faire un appel téléphonique. Eh bien, allez-y. Si vous trouvez un téléphone... Personne n'aime se faire traiter de cette façon. Et personne n'arrêtera l'inspecteur Gadget. Cet éléphant va peut-être pouvoir m'aider. Go, go, Gadget, au lasso. Go, éléphant, go. Brave Beza. Vas-y, vas-y, tire. Il serait peut-être temps que je commence mon enquête. Fino, réponds. Est-ce que tu vois Oncle Gadget? Ne le perds pas de vue, Fino. Je crois connaître l'endroit où le Dr. Gang cache le rubis. J'ignore où je dois chercher, mais cherchons quand même. Oups! Nom de Gadget! C'est sûrement un agent MAD là-haut. Il espère pouvoir dominer la situation. Désolé. Cette fois-ci, ce sont sûrement des agents MAD. Ah, hein ! Vous êtes fait ! Vous ! Vous êtes en état d'arrestation ! N'essayez pas de m'avoir avec ces gros barres ! Mais ça y est, vous voyez, je ne suis qu'un honnête marchand. Vous et votre complice au déguisement de carnaval, vous ne me tromperez pas. Oh, une nouvelle technique de MAD, sans doute. Agent en plâtre et vraie barbe imitant les fausses. J'appelle tout de suite la police. Nom de Gadget. Est-ce que tout est prêt? J'ai un petit lit de clou qui sera parfait pour le repos de son âme, docteur Grant. Bombe à colle, Dr. Kang. Ne me décevez pas, agent 006 ou 7. Salut, les amis. Fino, réponds. Tu me reçois toujours? Le laser est sûrement dans ce temple. Fino, j'ai localisé le super laser et le repère du Dr. Gang. Je vais voir ça de plus près. Essaie d'emmener Oncle Gadget ici. Mon infaillible sens de l'orientation me dit que cette route va me conduire au Dr. Gang. Nom de Gadget! Voyons un peu si ton charme va te tirer de là, Gadget. J'aurais bien aimé vous écouter plus longtemps, mais pouvez-vous faire un pas de côté? Je veux dire, flotter un peu de côté, s'il vous plaît. Assez entraînant comme rythme. Vous avez là un bon numéro avec ces cobras. Mais vous venez de détruire mon gagne-pain. Quoi? Ces mauvaises imitations? Vous êtes là! Cet individu est vraiment quelque chose de louche.
tout. Mais Gadget, il a un gros rubis. C'est sans aucun doute un agent MAD. Arrêtez! Revenez! Coco, Gadget au mobile! Coco, Gadget aux jambes! Il ne me reste plus que quelques petits réglages et le super laser sera au point, Dr. Gog. Excellent! Finou, je suis dans le temple. Je vais essayer de trouver le rubis. Docteur Gong, l'inspecteur Gadget arrive. Vous savez quoi faire. Oui, Saïb, que puis-je pour vous? Auriez-vous vu passer un petit homme avec un rubis sur son turban? Oh, oui, Saïb. Il vient de traverser ce pont. Adieu, inspecteur Gadget. Et toi, lâche cette corde. J'arrive à m'en emparer. Est-ce que le laser est prêt? Seulement pour les tirs de courte portée, Dr. Gog. Bon, eh bien, nous allons accueillir Gadget avec une chaude ambiance. Le tonnerre est pas un nuage dans le ciel. Ce doit être un de ces brusques orages tropicaux. Vous arrêtez. Go, go, Gadget aux jambes. Bienvenue, inspecteur Gadget. Finou, je suis dans la salle du laser. Où es-tu? Finou, tu m'entends? Bah wow. Finou. Formidable. Je vais pouvoir utiliser ce faux rubis. Toi, essaie de trouver Oncle Gadget. J'aurais mieux fait de regarder par le trou de la serrure. J'aurais l'air moins ridicule. C'est le moment, Gadget. Le comité d'accueil est prêt. Tous mes gadgets. Ils sont plutôt gros, les chats, dans ce pays. Coucou, Gadget tournaillé. Go, go, Gadget aux jambes. Tu t'es sorti des griffes de mes tigres, Gadget. Mais tu ne te sortiras pas des pinces de mes moines. Des moines, je dois être un monastère. Vous arrivez juste à temps, les amis. Votre mascotte commençait à avoir faim. Hé, hey, vous ne lui donnez rien? Bon, si vous voulez bien m'excuser, maintenant, il faut que je m'en aille. Mes moines vont te montrer le chemin, Gadget. Vraiment, j'aimerais beaucoup visiter, mais ce sera pour une autre fois. Peut-être est-ce une cérémonie indienne de bienvenue. Encore un autre petit essai. Oh, comme ils sont prévenants. Des fers de sécurité pour m'empêcher de tomber. Je suis prêt, Dr. Gong.
ont certainement exécuté une de ces vieilles danses rituelles. Adieu, Gadget. Dis adieu au monde. Oh non, je dois faire vite. Arrêtez ces moines robots! Je n'arrive plus à les contrôler! Ils sont devenus fous! Tu n'auras pas autant de chance cette fois! Beau spectacle, les amis! Mais il faut que je continue mon enquête! Go, go, Gadget au bras! Non! Pas Gadget aux jambes! Coco Gadget au bras! Vino, où es-tu? Je vais peut-être avoir besoin de toi. Quelques retards sans importance. Maintenant, au travail. Hop! Ah! Viens avec nous! Coco Gadget à Rochon! Non, non, Gadget. Il faudra que je pense à faire régler ce ressort. Cette fois, c'est la bonne, Gadget. Ça ressemble à un planétarium. Un télescope. Je vais jeter un coup d'œil à ce satellite que le docteur Gang projette de détruire. Si je trouve une pièce de monnaie. Il faut que je remplace le vrai rubis par ce faux. Le super laser est enfin prêt à détruire le satellite, Dr. Gang. Tu ne perds rien pour attendre, Gadget. Je suis sûr d'avoir une pièce pour mettre dans ce télescope. J'espère qu'il acceptera les pesos. Hé, je n'ai pas encore mis mon argent. Go, go, Gadget au bras. C'est le moment ou jamais. Ah, je savais que j'avais une pièce quelque part. Je vois rien du tout. C'est exact, Gadget. C'est l'extinction des feux pour toi. Oh, enfin, le rubis. Tu es tellement stupide, Gadget. Tu me facilites trop les choses. Je n'y comprends rien. J'ai pourtant bien mis une pièce de monnaie et ça ne fonctionne pas. Maintenant, remplaçons le rubis par ce morceau de verre. Ah, oh, ça y est, enfin ça marche. Quelle vue fantastique. Je me demande quel satellite le docteur Kong veut détruire. J'appelle le chef Gontier pour l'inspecteur Gadget. Dépêchez-vous, je ferai bien de partir d'ici. Oh non! Je n'ai pas le temps d'aller le récupérer. J'aimerais vraiment que Sophie puisse voir ça. Nom de Gadget! Je n'en ai pas beaucoup pour mon argent, même pour un peso. Remboursez-moi mon peso. Eh bien, Philo, nous ferions mieux de filer d'ici. Eh bien, Gadget, voilà encore une affaire de régler. Oui, chef. Gadget, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce télescope est une escroquerie, chef. J'ai mis un peso dedans et... Je vois. Bon, où est le rubis? Bon travail, Gadget. Mais, chef, vous me connaissez. Je ne fais jamais les choses à moitié. Mon laser est détruit. Un jour, tu me le paieras, Gadget. Tu me le paieras. Oh.
Comment veux-tu ton hot dog, Sophie? Bien cuit, s'il te plaît. Eh, une saucisse bien cuite. Une. Non, non, Gadget. Go, go, Gadget, au pistolet à eau. Est-ce que ça va, Oncle Gadget? Tu aurais dû utiliser ces pinces. Tu as raison, Sophie. On n'est jamais trop prudent à proximité d'un feu. Et se souvenir qu'en cas de brûlure légère, il faut appliquer une pommade adéquate sur la partie brûlée. Surtout ne pas la laver. Ou alors couvrir la brûlure avec un linge propre et humide, comme une serviette, et aller chercher de l'aide. Bon, qui veut une saucisse cuite à point? Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là, je suis là. Moi que voilà, ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là.